Bonsoir, messieurs et dames, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous servir dans cette émission Route Principale que vous suivez tout le vendredi. Dans cette émission, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui messieurs Pierre-Célestin Tshibwabwa Kaninku, qui est le directeur provincial de la Société congolaise de droits d'auteur, Sokoda. Sokoda, c'est cette société qui régissent les artistes musiciens, les écrivains et autres, c'est-à-dire tous les auteurs. Alors aujourd'hui, nous allons savoir, nous voulons tourner autour de cette société pour savoir comment ça fonctionne, quelles sont les conditions, est-ce que les artistes se retrouvent, est-ce que l'État congolais se retrouve, est-ce que cette société fait bien son travail. Alors, restez avec nous, ne zappez pas, parce qu'il y aura de la matière ce soir. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous suivre depuis Kasumba Lessa. Monsieur Pierre, oui, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne année. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, permettez-moi de vous offrir ce vin. Merci On beaucoup. On va partager le vin et en échangeant, en fait. Voilà. C'est parti, tchin tchin. Ok. Nous commençons notre émission avec monsieur Pierre Célestin, directeur provincial de Sokoda, je rappelle. Monsieur Pierre. Oui, monsieur. C'est quoi la Sokoda? Merci, c'est gentil. La Sokoda, c'est une société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins, coopérative avec conseil d'administration. Depuis quand vous fonctionnez dans ces pays? Nous sommes là depuis le 18 septembre 2013, pardon 2012, parce que le président de la République avait signé un décret. Là où, pas de gré, hein, une ordonnance. Une ordonnance loi. Voilà, pas une ordonnance loi, une ordonnance créant la nouvelle structure qui est la Société congolaise. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Coopérative avec conseil d'administration. C'est quoi votre objectif? L'objectif de la Sokoda, c'est quoi? L'objectif, bon, vous savez, nous sommes une société multidisciplinaire. Nous avons beaucoup vraiment à faire. Nous sommes une société qui porte protection des droits d'auteur et des droits voisins. Qui dit droit d'auteur, c'est tout ce qui est créé d'une manière intellectuelle. Et aussi, notre manière, il y a aussi des droits connexes qu'on appelle droits voisins. Okay. C'est ça, la Société congolaise des droits d'auteur. Alors, à la création de cette société, c'était quoi l'idée? L'idée générale était quoi? L'ambition? Qu'est-ce que vous avez constaté ou qu'est-ce qu'on avait constaté à l'époque? Et on a décidé qu'il fallait protéger les droits d'auteur ou bien défendre ainsi de suite. C'était quoi la motivation? Non, ça dit quoi? Je vais vous dire un peu les choses telles qu'il est, l'histoire même de la Sokoda. Vous savez, la République démocratique du Congo, notre pays, c'est un pays culturel.
Qu'est-ce qu'il y a? Donc, en allant vers l'année 1948, il y avait une société belge de droit d'auteur qui exerçait chez nous. Et les instructions de cette société, ça venait de la Belgique. Okay. C'était à l'époque coloniale. Voilà. Quand nous sommes arrivés en 1960, alors l'État belge a compris qu'il faut créer une société des Congolais. Mmh. C'est-à-dire, on a créé la première société, c'était SACO. Mmh. SACO signifie Société des droits d'auteur congolaise. Mmh. Cette société a fonctionné durant et pendant. C'est-à-dire, nous prenons l'année 1960. Nous allons jusque l'année 1964. Là, l'État congolais a créé l'Office national des droits d'auteur, qui signifie ONDA. Ok. ONDA aussi fonctionnait. C'était une façon de relever le niveau de la société congolaise. Voilà. Comme on n'avait pas beaucoup d'expérience en 1960 ou l'année 1949, alors avec l'expérience vécue, alors on devrait changer à tout moment le nom de société. Arrivé en 1969, le président Mobutu, il a créé la Société nationale des éditeurs, auteurs, compositeurs. Okay. Il a accordé à cette société un mandat de 30 ans pour l'existence, avec un statut bien établi et le règlement d'ordre intérieur bien établi. Quand le président de la République a créé cette société, il a donné un mandat d'existence. Donc le mandat d'existence a couru depuis l'année 1969. Il devrait prendre 30 ans d'existence. Ça a pris 69, 79, 89, 99. Donc la SONICA est allée en liquidation. Voilà. Et comme il n'y avait pas de mécanisme qui devrait mettre cette société en exergue, c'est ainsi que sur le statut de la SONECA, quelque part, il y avait une disposition. Là, on avait dit que s'il n'y a pas une nouvelle société créée, il faudrait faire un avenant comme prolongation. Voilà. C'est ainsi que vers les années 1900 de la SONECA, il devrait aussi courir une durée plutôt, il devrait aussi prendre un temps. Donc, depuis l'année 1999, là, nous sommes allés jusqu'à l'an 2010. Donc, on a créé la liquidation. Donc, la SONECA était en liquidation. Donc, on a donné les agents qui travaillaient à la SONECA le décompte final pour mettre fin à la SONECA. Quelques années plus tard, en 2011, le président de la République a dit qu'il a, comme il avait des sentiments quand même d'encadrer les artistes, parce que comme il était culturel, il a créé la Société congolaise des droits d'auteur comme organisme chargé de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Et j'ai pris les choses en main dans la province de Katanga le 13 octobre 2020, quand il y a eu remise et reprise entre mon prédécesseur et moi-même, comme j'étais son adjoint. Et je suis là depuis 2013 comme directeur provincial, en train de mettre l'ordre au niveau de la Sokoda, province de Katanga. Oui, vous avez parlé ici de la sensibilisation. Il fallait faire voir aux gens comment fonctionne la Sokoda, c'est quoi la Sokoda, c'est quoi son importance. Est-ce que vous avez réalisé que votre mission de sensibiliser a réussi ou il vous faut encore d'autres choses à faire? Bon, vous savez, je suis technicien, je connais comment faire. Je suis en délité pour mettre en exergue mon service. Depuis que je suis arrivé à la Sokoda, vous allez constater, moi je ne vais pas faire trop de commentaires, ce sont vous, les observateurs, vous journalistes, la population, les redevables. Je suis en délité pour faire changer cette société avec une nouvelle réforme de la Sokoda. C'est-à-dire, j'ai plusieurs idées. Je suis en délité de relancer et demander seulement confiance aux opérateurs économiques qui tentent de me suivre directement. Comme je suis large, je suis très clair, nous sommes priés de faire développer notre culture, notre pays, avec un changement de mentalité. Alors,
Votre mission primordiale, selon certaines bouches, la SOCODA s'attelle beaucoup sur la perception que sur la protection des œuvres d'esprit. C'est bien dit, merci beaucoup. Vous savez, dans chaque structure, il y a toujours une organisation. La mission de perception, c'est une mission quotidienne, parce que nous avons notre répertoire qui est fondé sur plusieurs formes. Alors, comme tout service étatique du ministère de la Culture et des Arts, nous avons mission de percevoir, parce que ce que nous, la SOCODA, nous demandons aux redevables, ce sont des salaires alloués pour les créateurs des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire un salaire qu'un artiste crée, un artiste invente, quand un artiste fait un studio, par le cas des musiciens, il doit bénéficier de son travail qu'il a réalisé. C'est-à-dire quoi? Il travaille, il produit, il met l'œuvre au vu de la population de la République, de l'Afrique, du monde entier, pour que ces produits soient consommés. Et au retour, ne serait pas à mesure capable d'aller chercher, tant que créateur, d'aller chercher le travail rendu là-bas, hein, auprès des redevables. Des consommateurs ou des redevables. Voilà. Raison pour laquelle la SOCODA est là, étant que service étatique, il va là-bas avec ses inspecteurs réclamer la diffusion dans son or, dans les bars, dans les terrasses, dans les hôtels, parce que l'artiste lui-même ne peut pas faire ça. Ce serait incompatible qu'un artiste, vous créez, vous allez demander votre don. Raison pour laquelle le ministère de la Culture et des Arts, à travers la République, dans la Constitution, on dit que les droits de culture, les droits des auteurs, les droits d'auteur est reconnu par la loi. Raison pour laquelle nous existons. Ce sont les grands problèmes. Est-ce que les redevables vous font confiance? Ils ont accepté de payer cette taxe sans... Faut corriger, c'est une redevance. C'est une redevance. Okay, merci. Sans beaucoup de tiraillements, où il y a encore des choses que les gens n'ont pas encore compris et ils ne veulent pas payer cette redevance à la SOCODA. C'est bien parlé. Vous savez, le paiement de la redevance est une culture. Moi, je connais ma province de Katanga, où, quand j'étais dans le Grand Katanga, j'ai fait confiance aux redevables. Hein? Ce sont des gens sages, ils payent la redevance. Bien qu'il y ait des difficultés, hein? Ils parviennent quand même à trouver des solutions avec la SOCODA. Et surtout, comme je suis à la tête maintenant de la SOCODA, je connais un peu presque tout le monde. Et je suis en train de demander de placer confiance. Toutes les difficultés qu'il y avait auparavant avec la SOCODA ou avec les décisions passées, qui mettent ça de côté. Parce que j'ai aussi compris qu'il faut toujours rapprocher les redevables. Il faut être en bon terme avec les redevables. Et souvent, je les ai toujours invités. Demandez-nous si vous avez vos problèmes. Vous avez des problèmes avec nous, venez-en à la SOCODA. Moi, je ne suis pas un monsieur compliqué. Je suis vraiment un monsieur social. Je préfère travailler avec tout le monde et je préfère aussi négocier avec tous les redevables. C'est pour permettre le SOCODA d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez eu à identifier les auteurs que vous avez dans votre province? Effectivement. Je ne me trompe pas. Depuis que je suis là, même dans les tiroirs de mon tiroir, j'ai constaté pour la province, depuis le Grand Katanga, et aujourd'hui, Katanga démembré, le Katanga dans notre province, j'ai sur moi 32 documents des artistes confondus affiliés à la SOCODA. C'est vraiment quelque chose qui ne fait pas du bien. Une province comme le Katanga, je vois... 32 seulement. 32 seulement. Parce que vous recevez des artistes ici, ils viennent toujours peut-être dire que non, la SOCODA ne donne rien. Qu'est-ce qu'on va vous donner tandis que si vous n'êtes pas affilié? Même dans un stade de football, tu n'as pas... qu'est-ce qu'on appelle le document là-bas? Les tickets. Non. Ah, la licence. La licence, comment est-ce qu'on va te placer pour jouer là-bas? C'est comme le cas de la SOCODA. Il y a plusieurs musiciens qui passent ici. Et moi, là, étant que responsable, je les ignore. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas affiliés à la SOCODA. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce terme-là. Et vous verrez aussi les artistes, quand ils viennent peut-être faire passer leurs œuvres à la radio, à la télévision, poser ces gens la question. Est-ce que votre œuvre est protégée réellement? Personne ne vient pour... Et les 32 là sont protégés? Ils sont protégés chez nous. Et je peux vous demander un jour de passer à mon bureau, vous allez constater que j'ai des documents
qui attestent que tel artiste est affilié. Et ces gens-là, ils ne font jamais de bruit. Jamais ils ne font pas de bruit. Ils se retrouvent. Ils sont là-bas calmes. Parce que nous avons quand même une organisation. Nous avons notre bureau de répartition qui existe à la direction générale. Au niveau de la province du Katanga, les bureaux n'ont jamais existé. C'est parce que le tout est centralisé à Kinshasa. Mais si ce bureau était à notre province, je devrais peut-être demander l'autorisation pour commencer à payer les artistes qui sont avec moi, qui sont affiliés. Là, c'est vraiment simple. Ah, c'est-à-dire, si on comprend bien, vous ne payez pas même les 32 là? Non, les 32 sont encadrés. Quand je dis encadrés, c'est-à-dire quoi? Ils sont affiliés dans Sokoda. Oui, ils sont affiliés, reconnus. Bien encadrés. Bien encadrés. Mais pour ceux qui ont de la répartition, ah, là, de leurs droits. La direction générale, notre bureau de répartition. Parce qu'ils sont connus, ils ont leur numéro d'affiliation. Et selon vos enquêtes, cette direction envoie cette répartition? Mais les gens qui touchent ne font pas de bruit. Nous n'avons fait de bruit, jamais. Vous avez quand même des témoignages des gens qui touchent? Bon, je connais, parce que vous savez, toucher c'est bien, mais je ne peux pas étaler tous les secrets des services à la population. Voilà, nous allons suivre une réflexion. Il y a un journaliste de notre équipe, Route Principale, qui nous a fait une réflexion sur la Sokoda. On va suivre ensemble avec vous et puis on revient sur ce plateau pour la suite de l'émission. Chaque matin, des voix s'élèvent de tous les coins, décrier la perpétuelle situation calamiteuse. Deux artistes musiciens de ma ville, obligés de faire des libanga pour survivre. Pourtant, leurs œuvres simplement les rendraient plus riches que tous. Et c'est là que l'on s'interroge sur le rôle de la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Pas de repartition équitable, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pas de repartition tout court. Et de l'autre côté, piraterie des œuvres de l'esprit. De ça, les artistes en souffrent tous les matins et tous les soirs. Les auteurs sont toujours dans la crise, les poches vides, la merde. Pourtant, leurs œuvres font danser, ça et là. Bon, ça vibre. Au bout du fil, Zulu Kaké. Dis-moi, tu fais aussi partie des artistes qui sont enregistrés à la Sokoda? Ben, disons, Electroplis, et à Kinshasa, qui, dans d'autres provinces. Donc voilà. Mais jusque-là, ici, je ne vois pas. Comment quoi, le rôle de Sokoda, parce qu'il y a d'autres musiciens, mes frères, que je ne vais pas citer leur nom. Ils sont dans la Sokoda, mais rien ne marche, quoi, voilà. Bon. Kinshasa seul, eux servis, je suis étonné. Ça, c'est vraiment un problème. RL Principal, j'apprends que l'argent que la Sokoda récolte dans les provinces est parfois renvoyé à Kinshasa. Et il se pose par la suite un problème de rétrocession. Ah, rétrocession Tiko Toyo. Mon téléphone vibre encore. Madius, ça va ou quoi la famille? Dis-moi ce que tu sais de ce dossier. Nous avons eu plus de 3 réunions avec le ministre, avec les représentants du ministre, avec la division provinciale de la culture, avec les représentants de la Sokoda. En fait, l'idée c'était comment faire, comment pousser pour que les artistes en province puissent être rémunérés par la Sokoda. Parce que la Sokoda se plaignait, je crois que jusqu'à aujourd'hui elle se plaint, que voilà, tout l'argent qu'elle récoltait allait dans un compte dans la capitale et il n'y avait pas de rétrocession. Ils avaient suffisamment que pour le fonctionnement des bureaux. Souvent les artistes musiciens aiment se plaindre. Je vais demander à un journaliste culturel, un monsieur qui s'y connaît, Adonis Numbi, beaucoup d'années d'expérience dans le métier, la Sokoda. Fait-elle vraiment son taf? Cette entité ou cette institution a le droit de prélever de l'argent auprès de ceux qui utilisent la musique, soit ça peut être les bars, terrasses, boîtes de nuit, chaînes de radio-télévision. Donc toutes ces entreprises-là doivent nécessairement donner un pourcentage, bien sûr, à la Sokoda. Question de protéger ces derniers. Donc ces derniers doivent survivre grâce à leurs œuvres. En fait, mais ici à Lubumbashi, c'est à peine que cette institution essaye de sensibiliser les artistes, mais cette sensibilisation n'est pas vraiment effective parce qu'il y a de ces artistes qui ne connaissent pas le rôle de la Sokoda. Il y a de ces artistes qui ne savent même pas qu'il faut s'affilier. Merci beaucoup.
campagne de sensibilisation. Moins d'artistes sont enregistrés. Et là, il s'est peu que les agents circulent dans les chaînes de télévision, les boîtes, les terrasses pour récolter de l'argent. Les factures, avec des sommes colossales, sont parfois déposées. Et la Sokoda est payée. Monsieur le directeur, il faut bien nous en parler. Mais avant de vous laisser, je vais relancer mes artistes pour quelques propositions. Je commence par l'expérimenté Zulu Kaké. Il a trop plus focalisé la Kinshasa par rapport à la province, mais la loi de pas. Et ce moyen, ça n'est pas ça les fonds. Par moment, ça n'est pas ça les fonds. Il y a qu'on canalise un sous-sous et qu'on appelle que les bons actifs dans la province, voilà. L'homme des Bantou Moyale a aussi quelque chose à dire. Lui qui a surtout réussi à participer à des festivals à l'extérieur du pays, il a senti le rôle d'une société comme la Sokoda dans des pays étrangers. En fait, il y a eu un mauvais commencement. Dans quel sens? Ce que la Sokoda devrait comprendre, ou que ce que la Sokoda doit comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle ne paye pas le studio pour les artistes. La Sokoda ne paye pas les clips pour les artistes. La Sokoda ne fait pas la promotion des artistes. Les artistes dépensent, donc ça veut dire que les artistes font le premier pas. Et la Sokoda doit comprendre aussi que ces artistes-là sont des clients, en fait. C'est un business. Et qu'elle devrait plutôt organiser des grandes campagnes, qu'elle devait mettre des moyens pour organiser des campagnes. Elle devait supplier même les artistes, aller chercher les artistes, parce que comment elle vivrait sans les artistes? Les artistes dans leur diversité, ils sont tellement nombreux, pas seulement des musiciens. Tout le monde qui fait une œuvre de l'esprit est censé vivre de ça. Monsieur le directeur, à vous la parole. Monsieur le directeur, vous avez bien suivi? Effectivement. Votre réaction? Bon, je comprends. Je soutiens l'idée des artistes qui comprennent. Moi, je trouve qu'ils sont intelligents et sages. Parce que parmi là, il y a d'autres artistes qui sont dans la merde. Ils ne comprennent rien. Tous les jours et chaque fois quand je passe une émission, ma référence, c'est d'inviter les artistes de venir prendre part à l'affiliation. Ce qui me fera aussi une bataille de travail au niveau de Kinshasa. Bon, je vais parler. Nous avons par exemple 1000 artistes de toutes tendances dans la province de Katanga. Je vais déposer à Kinshasa 32 Dossier. C'est-à-dire que le Katanga n'y a rien. L'engouement, c'est quoi? Avoir beaucoup d'artistes affiliés à la Sokoda. Quand moi j'écris une lettre adressée à la direction générale, ou soit dans les conseils d'administration de la Sokoda, quand je prends un nombre, comme la musique du Katanga est en train d'émerger, j'espère qu'on ne va pas me refuser. Mais je comprends, il y a des artistes qui détient des grands soucis pour œuvrer, aller de l'avant. Et les autres qui sont en train de jouer, faire la musique de la cité, ce n'est pas un insulte. C'est-à-dire, vous jouez votre message sans comprendre. Ils font ça par plaisir. Par plaisir. Pour avoir du succès dans le petit coin. Parce que quelqu'un qui fait une musique, il doit faire une musique commerciale pour vendre. C'est ce qui donne aussi la Sokoda, le pouvoir de dire à Kinshasa, voilà. Dans ma province, il y a des musiciens qui sont de vendre. Les produits sont achetés, vendus auprès de, exploités auprès du public. Là, ça me donne le pouvoir et le courage de poser les problèmes avec ça. Mais vous trouverez la plupart des artistes qui comprennent, ils sont de cœur avec moi. Les autres là-bas, comme je dis bien que ils font la musique de la cité, hein? Posez-les la question, hein? Combien est-ce que vous avez vendu? Ou ce n'est pas seulement les mettre votre musique dans une flash, vous la déposer dans une chaîne de radio. Et quand ça passe comme ça, vous allez me dire, ça va me payer. Là, c'est très dangereux. La plupart des jeux qui se passent entre les artistes, c'est ça. Parce que moi, personnellement, si on allait me poser la question, où est-ce que je peux trouver même les flashs originaux, donc original d'un artiste de Lumbashi qui est vendu dans un discothèque ou bien magasin. Parce que quand il est vendu comme ça, il est consommé. Vous viendrez là-bas, vous achetez, vous faites sortir votre argent, vous achetez, l'argent va parvenir à l'artiste. Mais ça n'a jamais existé. Moi, j'ai toujours conseillé aux artistes. Le ministère de la Culture et des Arts, il a la Sokoda, il a aussi le fonds de promotion culturelle. Mm-hmm. Si un artiste a un projet, même des studios,
Il doit écrire, il va aller au fond de la promotion. Fonds de promotion culturelle. Il va écrire officiellement. Et il attend la réponse parce que ça, c'est la banque des artistes. Tout projet doit transiter par le fonds de promotion culturelle. Mais et non pas, vous dites que non, la Sokoda doit amener un musicien au studio. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas même écrit dans un statut. Moi, je suis là-bas pour payer. Alors, qui doit identifier les musiciens? C'est la division de la culture ou c'est vous? Non, l'identification des artistes. De quoi je n'ai pas compris, multiplication. L'identification. L'identification, c'est-à-dire il y a des possibilités. Nous avons le ministère, la culture et des arts, comme au niveau de la province, nous avons la division. Un artiste est prié d'aller prendre son permis d'implantation. Parce qu'une l'orchestre qui dirige, c'est une entreprise culturelle. Ça doit être identifié à la culture des arts. Et de deux, si les créateurs, ils viennent chez nous pour nous donner ses chansons, ses œuvres de l'esprit. Alors, s'il vient comme ça, nous là, quand il vient chez nous, il passe à notre bureau, nous avons un dépliant. Nous allons lui présenter les conditions sur lesquelles, comment quelqu'un peut être octroyé son numéro d'affiliation. Il prend ce dépliant, il le lit. Il prend, je ne sais pas, $30 ou $20 ou $40, il va verser dans un compte Equity Bank, là où il y a les comptes de la Sokoda. À ce niveau, lorsqu'il a un bordereau de la banque, il y a un numéro sur le bordereau de la banque. C'est le numéro là-bas qu'il est octroyé. Pour éviter de dire que non, tel, j'ai des sentiments, je viens de donner un numéro d'affiliation. Ça, c'est une organisation qui est même accès à ça. L'artiste verse, il prend le bordereau, s'il a versé $40 ou $20, il vient avec ça, il passe à notre comptabilité pour aller déposer le bordereau. À ce niveau-là, nous prenons l'identité, nous prenons le numéro de bordereau. Nous, là, ce Sokoda, nous faisons un récit de reconnaissance du montant qu'il a versé à la banque, parce qu'on ne donne pas ces montants à main ou à la comptabilité, c'est à la banque. Là, Sokoda va donner un récit. Avec ces récits, nous prenons de tout, nous envoyons à la direction générale. Donc là, dès que ça arrive, il est affilié, on le place dans notre cahier de risques comme quelqu'un affilié à la Sokoda. Et lorsque il est affilié, il doit déclarer ses chansons comme œuvre là-bas. Par chanson, c'est 3000 francs congolais. Il doit verser toujours à la banque. Il compte le nombre de chansons qu'il a fait sortir, c'est 10 fois 3000 francs. Il va verser à la banque. C'est ça la Sokoda. Il n'y a pas autre chose. Jamais la Sokoda, quand vous venez vous affilier, vous allez toucher, nous allons prendre votre argent. Non, on n'a jamais touché ça. Donc, si un agent touche... Alors, dites-nous un peu, qui est censé devenir membre de la Sokoda? C'est tout artiste confondu de chaque discipline. Il est prié de passer, s'il a ses œuvres, il est prié de passer, affilier ses œuvres. Alors, combien de catégories de membres vous avez dans Sokoda? Nous en avons deux. Le membre adhérent, et le membre sociétaire. C'est-à-dire, le sociétaire, quand il s'affilie comme sociétaire, il devient un membre vraiment ponctuel de la Sokoda. Les membres ordinaires, ce sont des gens qui s'affilient tout simplement. Dès qu'il a fini, il est resté là-bas comme affilié. Et les conditions pour publier la chanson, vous avez dit, c'est juste 3000 francs. Non, l'affiliation, c'est 20, ça commence par 20 000, $20, $30 et $40. Ouais. Pour les chansons, c'est 3000 francs. 3000 francs, c'est tout simplement. Je ne sais pas si les gens me comprennent. 3000 francs seulement par chanson, par œuvre. 3000 francs. C'est une obligation. C'est une avant obligation. Avant de publier ça. La chanson, ouais, ça doit ouais, passer ouais, par la ça doit passer comme ça. C'est ce qui nous permet aussi de connaître, d'aller sur le terrain. Si on voit en train de pirater, nous savons, non, ça c'est notre artiste qui connaît en train de pirater. On prend les messieurs, on les défait devant la justice. On les fait devant la justice. C'est ça notre rôle. Si quelqu'un n'est pas avec nous, ce sont des gens que vous voyez tout à tout moment. Quand ils viennent chez nous, même quand ils passent ici, pas l'insulte même de la Sokoda. Ce sont des gens qui manquent de mental. Parlons un peu du piratage. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Bon, je vous dis ceci. Moi, je trouve que à Lubumbashi aujourd'hui, il n'y a pas la pelleterie. Là, c'est moi, je vous confirme. Parce que quand il y avait la pelleterie, il y avait des gens qui avaient télé des bandes partout sur l'étendue de la ville de Lubumbashi. C'est à partir de la Sokoda,
de la Soneca, qu'on avait défendu, parce qu'on prenait tous ces gens là-bas, les vendeurs là-bas, on les mettait un peu, on les transférait devant la justice. C'est ainsi que quand la plupart des conseillers qu'ils étaient beaucoup arrêtés, cette histoire est effacée au centre-ville de Lubumbashi. Je ne sais pas si vous constatez que Lubumbashi, s'il y a des bandes ou il n'y a pas de bandes, c'est parce qu'on va fournir un effort à l'époque. Donc, et ces systèmes de bureautique, cybercafé, ça, c'est pas une piraterie. Bon, c'est une piraterie, donc les gens les font d'abord en cachette. Moi, personnellement, quand je marche, je passe dans les avenues, je ne vois pas encore cette pratique. Peut-être c'est resté à la cité. Hein? Peut-être on a pratiqué ça. Mais au centre-ville, je ne sais pas s'il y a des maisons pareilles. Parce que moi, quand je vois tout simplement, quand je passe même au centre-ville, je constate un petit, si à côté d'un ordinateur, il écrit là-bas, j'ai toujours ravi. J'ai toujours ravi. Vous ne faites pas payer les bureautiques. Jamais la seconde, je ne fais payer les bureautiques. Là, allez vérifier l'information. Amenez même un document, même les preuves. Nous pouvons faire payer la bureautique s'il y a une sonorisation dans un bureautique. Il y a une chose là, la seconde peut suivre parce qu'il y a là la musique qui joue. Mais on n'est pas dire que quelqu'un tentait de pirater, nous allons faire demander la piraterie pour nous payer pour lui quoi. Là, c'est terrible. Si dans une bureautique, il y a la musique qui joue là-bas, il y a la sonorisation là, c'est notre droit de poursuivre la sonorisation. Et non pas la... Alors dites-nous un peu, faites-nous un peu une liste de gens, de redevables à la Sokoda, qui sont concernés par cette redevance chez vous. De quoi? Quelle redevance? La redevance de la Sokoda, l'argent que vous percevez ça chez qui? Non, ça c'est cette question mal posée. Hein? Vous êtes là... Les tenanciers de bar, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent de la musique. Notre obligation, c'est d'aller. Non, la question n'est pas mal posée. C'est mal posé. Les gens veulent comprendre aujourd'hui. Moi, je peux connaître. Mm. Je sais là où vous passez. Mais quand je parle avec vous, ouais. Ils me suivent. Non, mais c'est ça que je dis. Tous les tenanciers de bar là-bas sont en train de me suivre. Ouais. Et ils sont en train de me suivre. C'est que ce que ce monsieur dit, c'est correct ou c'est pas correct. Si c'est vraiment c'est correct. Hein, vous avez les tenanciers de bar et qui d'autre? Les tenanciers de bar dans l'ensemble. Night Club. Okay. Dancing Club, okay. N'est-ce pas? Bar, restaurant, vous comprenez? Il y a des hôtels qui détiennent des possibilités, restaurant, bar et plus hôtels. Ils sont redevables chez nous. Okay. Et vous avez un grand champ de perception. Mais c'est un peu pour rien que vous trouvez que j'ai augmenté un peu le nombre des inspecteurs. Et ils sont tous identifiés avec uniforme, avec badge. Et moi, je les refuse aujourd'hui que mes inspecteurs... travaille sans tenue. Et lorsqu'on apprend qu'il y a quelqu'un qui réclame l'argent sans tenue de la Sokoda ou bas de la Sokoda, il est arrêté à la minute. Ils sont désorganisés les choses. Et je viens de douter les tenues. L'autre fois, j'ai fait part à tout le monde que non. Quand je vais aller voir le maire de la ville, je vais présenter les tenues de la Sokoda. C'est pour identifier la Sokoda parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en perception. Quelqu'un peut s'habiller comme un agent de la Sokoda, il arrive là-bas et demande de l'argent. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas oser de faire ça. D'abord, ils sont là-bas en train de suivre une formation. Chaque matin, de 8h30 à 10h, avant d'aller sur le terrain. Ils sont déformés, des gens capables, qui prennent le sens de leur responsabilité. Comment se passe la perception de la Sokoda? Bon, ça se passe parce que, le premier des choses, nous commençons par le point de recensement. Donc, on recense les unités redevables. Et la deuxième des choses, nous lançons des avis de facturation. La troisième étape, c'est demander à tous ces gens d'aller verser l'argent en compte à l'Equity Bank. Ça ne se paye pas de main à main. Non. La Sokoda, si vous trouvez quelqu'un touche l'argent dans les mains, si j'apprenais, il est déféré devant la justice. Parce que la loi, pour le moment, on l'oblige. Hein, de mettre l'argent dans les comptes de la Sokoda. C'est ça le grand problème. Et vous formez des gens qui vont récolter l'argent des artistes qui ne sont pas affiliés dans Sokoda. N'est-ce pas une escroquerie? Donc, les redevables qui ne sont pas affiliés? Non. Les lèvres, on va récolter l'argent pour les œuvres des auteurs. C'est les droits d'auteur qu'on va récolter sur le terrain. Maintenant, si ces auteurs ne sont pas affiliés dans Sokoda,
mais vous, vous allez quand même percevoir la loi et récolter l'argent la des gens qui ne sont pas le vôtre. La loi est bien claire. Nous assurons la protection des œuvres de l'esprit, pas des personnes, des individus. Nous assurons la protection des droits des propriétaires intellectuels de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Il y a une loi qui oblige d'assurer cette protection et de percevoir l'argent qui sillonne dans les territoires nationaux sur les œuvres de l'esprit que les Congolais sont en train de créer en République démocratique du Congo, même des étrangers. Pourquoi je parle des étrangers? Il y a des sociétés serres qui travaillent comme nous en Europe, en Afrique et partout. Nos œuvres sont en train de rayonner partout là-bas. Donc, c'est plus clair, c'est situé sur la loi. On ne peut pas aller ou toi toucher l'argent donc sans condition. Nous avons tous les documents possibles qui nous donnent le droit de percevoir partout. Vous savez, quand nous prenons partout, même à celui qui n'est pas filié, c'est pour qu'ils comprennent quand cet argent est entré dans les comptes de la Sokoda. Et on paye aussi d'autres artistes. Comment vous mettez beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie dans la perception, mais pas assez d'énergie dans la sensibilisation? Non, je crois depuis que je suis là. Je crois que je suis en train de relever la Sokoda. Je ne sais pas si vous avez constaté. Je suis en train de parler plus pour relever le niveau de la Sokoda. Ils sont en train de, je parle plus pour motiver les artistes de venir prendre affiliation. Je suis en train de parler plus pour dire aux artistes que non, ce que vous faites là, c'est mauvais. Votre paiement peut sortir de la Sokoda. Ce n'est pas pour rien que les autres parlent en bien et les autres parlent en mal. Quand je dis qu'il y a des gens qui comprennent et les autres qui ne comprennent pas parce qu'il y a des mentales. Et je suis vraiment un grand service. Je suis dépensé beaucoup plus pour faire que tout ce que nous avons comme réalité, produit, consort, ça puisse être payé. Monsieur Pierre Céleste, buvons un peu. Tchin tchin. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tous les artistes sont obligés d'être membres de la Sokoda? Ils sont nécessairement sur le territoire national de la République démocratique du Congo. Ils sont obligés, obligatoirement, d'être affiliés à la Sokoda. C'est une loi universelle dans chaque pays du monde. Dis-moi s'il est en dehors de notre pays. Mais s'il est chez nous, en RDC, il doit prendre son affiliation. C'est vraiment obligatoire. Pourquoi on parle? Si ce n'était pas intéressant, on ne devrait pas même assurer votre émission. Nous allons parler de ça. Nous parlons pour mobiliser la population, que la population, les redevables paient la Sokoda, tous les détentiels de bar, que les artistes qui n'ont pas encore compris le sens de l'affiliation, qui viennent à la Sokoda prendre part. C'est ça mon problème. Comment vous le faites? Mais nous, tout de suite là. Nous sommes en train d'évangéliser les tranchers de bar et les artistes qui nous écoutent. Vous attendez qu'on vous invite dans les pas émissions? Pas nécessairement parce que je n'ai pas commencé ici. J'ai commencé dans plusieurs chaînes à chaque fois. Même lorsque certains viennent au bureau, je parle comme ça en live. Avec des artistes. Les autres que je raconte même en route, je parle. Souvent, je parle de venez-en prendre part, ça c'est votre société. Vous connaissez beaucoup de musiciens de la province? Bon, connaître beaucoup, c'est-à-dire j'ai des tendus très vastes, n'est-ce pas? Je peux connaître les artistes et je ne peux pas aussi connaître parce que c'est une création intellectuelle, parce que tout le monde veut se faire musicien. Nous avons les artistes religieux là-bas. Hein? Je les vois souvent à la télévision. Ils se contentent de jouer la musique, ils jouent à l'église, c'est fini. Est-ce qu'ils viennent chez nous à la Sokoda? Ils sont en train de perdre leur temps. Et pourtant, ils devraient prendre aussi part. Ils sont prêts de prendre part à la Sokoda. Vous les verrez seulement quand ils jouent à l'église. Et il vient avec leur musique qu'il emmène à la télévision. On commence à jouer et c'est des musiciens. Moi, je les prends comme musiciens parce qu'ils sont là-bas comme musiciens. Mais ils doivent prendre part à leur société. Ce n'est pas une société des artistes profanes non plus. C'est, moi, je parle dans le cadre de l'ensemble, dans l'ensemble des artistes en général, c'est-à-dire chrétiens ou profanes ou religieux. Je parle dans l'ensemble. Vous savez que lorsqu'on se retrouve, par exemple, à l'étranger, ouais. On vous parle de Sabam, ouais. Ou quelque part, on a entendu parler des Sokam ou quelque chose comme ça. Ça fait une fierté chez les artistes. Ils sont fiers d'entendre ce nom. Mais quand on est chez nous en RDC, on vous cite Sokoda, il y a toujours des réactions négatives pour Sokoda. Selon vous, pourquoi? Non, vous savez que cette situation est créée par les Congolais même. Vous savez ça? Comment c'est une création créée par les Congolais. Comment ça? Un Congolais, quand il est à l'étranger, hein, il s'est diminué d'abord quelque part là-bas.
ne veut pas être flatté. Elle veut flatter ce pays. Mais quand elle est chez lui ici, il parle autre chose. Raison pour laquelle vous trouvez que les sociétés sert telles que les Abam là-bas. Tous les Congolais qui préfèrent rester en Belgique qui sont là-bas. Mais quand il vient chez nous, il ne veut pas s'affilier. Parce que vous n'êtes pas sérieux, non. Il paraît. Être sérieux, c'est-à-dire quoi? Si on n'était pas sérieux, le président de la République ne voulait pas signer l'ordonnance créant... C'est une passe en or qu'on vous a faite? Non, ce n'est pas une passe en or. On a signé cette ordonnance qui est profitable à des individus aujourd'hui. Non, non, vous savez... C'est l'argent qui circule dans les poches des dirigeants de la Sokoda. Non, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'on est en train de réquiser des gens gratuitement. Nous avons un problème de culture. Ici même à Lubumbashi, les artistes qui sont avec moi, vous pouvez les voir comme ça en route. Il fait un concert là-bas, hein? Le concert qu'il est en train d'effectuer, il fait qu'interpréter les chansons de Kinshasa, les artistes de Kinshasa. Et trouve que c'est normal. Ça, c'est une folie. D'abord, il y a une loi qui dit que si, lorsque vous interprétez une chanson qui n'est pas la vôtre, vous êtes prêt de payer. Et nous, la Sokoda, si on tombe sur vous, on vous arrête, on vous demande de faire devant la justice. Le concert qui se passe, le karaoké à Lubumbashi, c'est quoi? Vous avez déjà arrêté combien? Arrêté? Oui. Arrêté, ça dure... Je viens d'arriver en fonction il y a 4 mois maintenant. C'est le 13 aujourd'hui. Si c'est le 13, je viens de faire 4 mois. Sinon, de venir. Et vous allez voir que d'ici là, si Dieu est avec moi, je serai obligé de suivre tout ces productions là-bas. Et tout ce temps que vous étiez inspecteur, vous n'avez jamais mis la main sur quelqu'un. Vous, avez, vous devenez directeur, vous passez le temps dans votre bureau. Écoutez, quand on est responsable, on a un plan choisi que je vais mettre en action. C'est pour me permettre d'aller de l'avant. Je peux être responsable, mais sous direction de quelqu'un d'autre qui n'a pas mes idées. Là, vous n'allez pas vous comprendre. Moi, je vais d'ici là voir le karaoké là-bas, ça va finir. Dès que je trouve, moi, je suis calme demain. Et vous, l'artiste, et celui, le producteur au niveau des bars, vous allez vous défendre. Mais pourquoi on ne peut pas interpréter? Non, c'est-à-dire, ils sont de venir. Pourquoi vous interdisez ces karaokés? Non, j'ai toujours interdit. Quand je vais quelque part, j'interdis. Mais cette fois-ci, je voulais. C'est quoi la raison que vous nous donnez? Non, c'est interdit. C'est vraiment une interdiction formelle d'assurer une interprétation qui n'est pas la vôtre, une œuvre qui n'est pas la vôtre. Et vous voulez jouer comment? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que vous avez interprété textuellement celui qui a créé son œuvre? Et là, j'ai dit, je demande à nos amis de karaoké, même le bar, les terrasses, hein, qui font des tirages, attention, parce qu'un jour, vont se retrouver devant la justice. Alors, y a la musique congolaise qui est écoutée aussi à l'étranger. Oui. Comment vous faites pour percevoir cet argent? Nous avons une réciprocité avec les sociétés sœurs. Ça évolue bien? Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Là, je vous dis que ça évolue très bien. Il n'y a jamais de problème. Nos musiques aussi à l'étranger sont protégées aussi. Ce n'est pas pour rien ici chez nous. Dans un bar, vous allez trouver les gens qui disent « Non, moi, là, je joue la musique étrangère. » Quelle musique étrangère? Il est protégé comme tous les autres œuvres de l'esprit. Et chez eux, chez nous. Parce qu'il y a une réponse entre les deux. Même si j'ai mon bar, je ne joue pas la musique congolaise. Oui. Je dois payer à la Sokoda. Mais ça joue dans quel territoire? National. Et nous sommes priés de venir chez vous. Vous faites payer la couverture sonore ou vous payez les, vous payez parce que vous les droits des vous auteurs? Vous payez parce que vous diffusez. Les droits de l'œuvre de l'esprit. Vous les diffusez dans des âges sonores commerciales. Est-ce que vous n'avez pas trop de difficultés dans la perception de cette redevance? C'est vrai, mais dans chaque service, il y a toujours des petites difficultés. Même nous aussi, nous sommes en difficulté. Nous sommes des fournisseurs d'efforts pour que les choses aillent un peu de l'avant. C'est ça le grand problème. Mais nous apprenons que la Sokoda contribue à beaucoup de pourcentages dans la caisse. La Sokoda Okatanga, au fait, contribue à fort pourcentage dans les recettes de la Sokoda au niveau national. Ça, c'est un effort déployé par moi-même et pour la conscience. J'aimerais faire mon travail pour que... Vous en êtes fier? Oui, effectivement. Ce n'est pas pour rien que vous avez constaté, dans 4 mois, j'ai au moins 4 diplômes d'excellence. Dans 4 mois que je suis directeur. Avec des artistes qui ne sont pas payés, vous êtes fier? Je suis fier parce que c'est une nouveauté. Ce que je réalise, ce que je viens de réaliser depuis que la Sokoda existe, ce n'est pas passé comme ça. C'était autre chose. Mais moi, je préfère orienter les bonnes choses.
tout droit. C'est-à-dire, vous, votre mission, c'est de maximiser les recettes. Pas de voir les artistes vivre de leurs œuvres. Non, non. Pourquoi est-ce qu'on devait faire justement des poumons pour les artistes? C'est pour les artistes qui viennent, nous. C'est leur société qui doit venir. Mais les 32 que vous avez là, vous êtes en difficulté de nous citer même un seul qui touche son argent. Non, vous savez, on ne peut pas faire ça. Là, c'est créer des années. Non, c'est motiver les autres. Quand vous citez deux ou quatre, vous allez motiver ceux-là qui ne viennent pas à venir. Non, non, je ne peux pas citer un artiste. Vous savez, quand chacun a une méthode, même quand vous travaillez avec moi, vous avez votre système de travail. Je ne peux pas étaler ou mettre les gens en danger. Vous savez ce qui se passe Je ne peux pas citer. Non, en danger, c'est-à-dire ce sont des grosses sommes que vous donnez à ces artistes alors. Non, quelle que soit la grandeur de ça ou la petiteur de ça, mais on parvient quand même à faire quelque chose. Monsieur Pierre, ça c'est l'émission Route Principale. Je suis vraiment correct avec ici, vous. Non, non, jusque-là vous êtes encore dans des courbures, dans des tournures. Ici nous sommes sur l'avenue Moussir. Je vous dis un peu la vérité, mon ami. Écoutez, je ne vais pas... Écoutez, c'est ton salaire, pardon. Moi je suis en train de vous demander une chose. Essayez d'être direct. Ouais. Et franc envers nous. Oui. Cette émission, l'objectif de cette émission, c'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité. Rien que la vérité. Ouais. Pour motiver les artistes qui ne viennent pas s'affilier, ils doivent savoir que mon collègue tel, Alia Kanasoko, dans Apena Kendekoko. Non, pardon. Mais s'ils ne savent pas, pardon. Il n'y a pas de témoignage que vous pouvez nous brandir ici, ben voilà, regardez, la Sokoda a payé. Même la Sonas, quand elle paye les sinistrés, on fait montrer à la télé. Les sinistrés font des témoignages. Mais pourquoi la Sokoda, on ne voit jamais ce genre de témoignages? Merci beaucoup. Et vous venez ici pour dire qu'il y a 32 musiciens ou artistes qui bénéficient, mais vous n'arrivez pas à les citer. Je tiens à vous signaler que vers le mois de novembre 2020, nous avons payé. Nous avons payé les artistes. Vers le mois de septembre, nous avons encore payé. Parce que tout vient de Kinshasa, quelqu'un a son enveloppe, dès que ça vient dans une enveloppe. Dès qu'il vient, il prend son enveloppe, il part. Parce qu'on n'a pas le droit même d'ouvrir. Est-ce que les calculs se font bien? Très bien. Ça, c'est le bureau de répartition. Parce que là... Je vais même vous expliquer les modalités. On apprend que 30% va au fonctionnement de la Sokoda et 70% revient à l'artiste. Comment vous faites les calculs? C'est dit dans la loi de la Sokoda. Non, c'est un faux débat. Vous avez... C'est pas un faux débat, c'est lit dans la... Ce n'est pas lit. Donner l'article 70%, c'est-à-dire quand on va donner l'article, un artiste 70%, mais les autres artistes vont bénéficier combien? Là, c'est pas ça. Non, mais chacun a son œuvre. Non, chacun a son œuvre, monsieur. Mais c'est celui qui a son œuvre. Il est exploité sur l'étendue, par exemple, de la province du Haut-Katanga, combien de fois? Et où? C'est ça le grand problème. Est-ce que vous arrivez à faire ce travail-là pour savoir... L'œuvre est jouée où? Elle est utilisée. Ce n'est pas pour rien que nous allons, les inspecteurs, sont souvent dans des bars, dans les petits bistrots, et ils ont une mission. Alors ici, vous êtes en mesure de nous dire les chansons qui sont beaucoup jouées dans les bistrots? Je peux citer les quelques-uns. J'ai cité même les artistes, deux ou trois que je vois qui sont à. Beaucoup joués. Beaucoup joués à Lumbashi. Allez-y. Je peux citer Erdi Kanyera. Okay. Je le vois dans des concerts. Okay. Je l'écoute souvent dans les chaînes de radio, c'est ce qui est d'abord important. Okay. Hein? Parfois dans d'autres coins de la ville. Bar ou comme ça, je l'écoute un peu. Là, c'est tout à fait correct. Deux, n'en parle même pas. Vous l'écoutez aussi trop? Surtout. Moi, j'aime même ces chansons. Okay. Même chez moi à la maison. Vous comprenez? Le troisième, je vais citer. C'était mon ami, hein, Lerasta, comment encore. Qui reste. Doit rester au niveau des Cameroun ou au Kenya là-bas. Comment encore, c'est qui? Je l'aime beaucoup. Hein? Agressif. Avec les chevaliers. Oxygène. C'est Oxygène, moi je l'aime beaucoup. Celle-là, plus ou moins. Là, en tout cas, pour la province, ça va. Là, même à Kinshasa, je peux taper la main sur la table pour que l'air se passe. Tous ces trois musiciens que vous avez cités, ils sont membres de la Sokoda? Erdi Kanyera, quand la Sonica existait, il était là, comme membre, parce qu'il devrait reprendre son affiliation. Tokizi, lui c'est un ancien sociétaire. Mm-hmm. Il est là, et maintenant il est là. Il bénéficie Parce qu'on n'a pas encore commencé à payer ici. J'espère que d'ici là... Vous avez payé le mois de novembre, vous venez de dire. C'est-à-dire, quand je parlais du mois de novembre, on a payé. Hein? Lui n'avait pas touché. Pourquoi? Lui, Tokizi n'avait pas touché. Parce que? Je n'ai pas vu son nom sur la liste. C'est ça que mes...
Je n'ai pas vu les noms de ceux qui... C'est-à-dire ici, vous nous confirmez que la rétrocession s'est faite normalement. D'abord, ça, on a payé 4 fois l'année passée. Nous avons payé 4 fois. La direction générale a payé 4 fois. Et maintenant, cette année, comme nous sommes au début, j'avais même promis dans une des conférences que je vais faire une lettre réclamant le paiement des artistes de Yo Katanga. Et je crois que les conférences qui vont partir avec ça, cette lettre serait aussi gravée pour de faire avec ça, pour le titre avec ça. Alors, on est en train de finir. Parlez-nous de la clé de répartition de produits, des perceptions. Comment ça se passe? On est presque à la fin de notre émission. Là, vous savez, vous posez des questions bien pour savoir, mais je ne peux vous dire la vérité de ce qui passe. Au niveau de Kinshasa. Non, mais comment vous pouvez mentir sur un plateau de télévision? Je ne peux pas mentir, je vous dis un peu la vérité. Vous venez de dire que vous n'allez pas dire la vérité. Non, j'ai dit ceci, vous m'avez mal compris. Oui. Il y a des points que je suis censé de vous dire la vérité. Les points que tu as posés de salaire là-bas, de répartition des artistes, ou des artistes qui touchent. Oui. Ce que je dis, je ne veux pas vous dire ce qui se passe parce que ce sont des salaires. Vous citez que je l'ai payé, je paye tel monsieur, sa famille demain, il fait des problèmes à la maison. Ses amis, il fait des problèmes à la maison. Bon, ne citez pas les noms, citez-nous les montants alors. Non, les montants, il y a des gens qui touchent, compte tenu de production. Il y a des gens qui touchent 4 000 dollars, 3 000 dollars. Ah bon? 2 000 dollars. Par an ou par mois? Par trimestre. Par trimestre. Oui, c'est un effet comme ça. C'est payable. Si vous doutez de moi... C'est payable ou vous les faites? Nous les faisons. Je dis bien, nous les faisons. C'est-à-dire, en offre, vous pouvez me donner les noms de ces artistes que j'ai vérifié? Non, pas ici. Non, même en offre, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Alors, monsieur Chibouaboua... Je suis responsable. Ça, c'est comme si vous sacrifiez quelqu'un devant les plateaux, devant ces bandits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se passent dans le centre-ville. Je ne peux pas faire ça. Vous avez eu à donner à un artiste le choix, 4 000 dollars, ici, à l'Album. Il y a même des artistes de l'Album qui sont touchés, c'est ça. Vous êtes informé de ça? Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? C'est moi qui pose des questions. Je suis tenté de vous répondre. Parce que c'est comme si vous en doutez. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà donné à un artiste le choix? Oui, plusieurs fois. 4 000 dollars. Bon, je n'ai pas cité la personne, mais on a déjà donné. Et il y a d'autres qui ont touché l'année passée. De Lumbashi. Et ils sont calmes. C'est vrai ça? Oui. Si on mène nos enquêtes, on va... Amenez-les parce que vous êtes journaliste, vous êtes libre de les faire. Ils sont même allés à Kinshasa, ils ont touché l'argent. Et ils sont venus calmes. Alors, je pense que les artistes, les 32 artistes qui sont affiliés à la Sokoda sont en train de nous suivre. Parmi les 32, il y a ceux-là qui vont se manifester pour nous confirmer si c'est vrai ou faux. Et pourquoi tous les 32 ne sont pas rémunérés et vous choisissez quelques-uns? Non, les PME, c'est pas comme ça. Oui. Si je peux avoir 32 artistes, on ne peut payer le même moment. On peut payer, après tout le monde paye tel groupe, après tout le monde paye l'autre groupe. Vous comprenez? Oui. On ne peut pas les payer comme si on les paye le même jour, ils commencent à danser. Non. Il y a les périodes qui touchent. Oui. C'est ça le système. Monsieur Pierre-Célestin Chibouaboua. En 2006, on se rappelle d'une histoire. Oui. La Sokoda avait pris une décision que tout album, cassette, CD en circulation en RDC, devrait porter un timbre de cette société. Un sticker. Qu'en est-il de cette décision? Non, vous savez, le monde, la technologie est en train de changer. Si au jour d'aujourd'hui, on avait le système de cassette, ça devrait se faire normalement. Parce que jusque-là, même dans mon bureau, les stingers sont là-bas, en stock. Parce que quand on était venu avec ça en 2006, on avait présenté ça. Après, à un moment donné, je ne sais pas l'organisation. Donc, on a compris que le système de bande cassette était parti. C'est ainsi que ça traîne dans des dépôts jusqu'à ce jour. Nous en avons même dans notre bureau. Là, il n'y a pas un problème. Voilà, on va finir notre émission. On va se tenir debout. Ça s'annonce là. La dernière étape de nos questions. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Ça s'est bien passé. Oh, moi, je suis très à l'aise. D'ailleurs, je suis fier de ça. Surtout, je sollicite les artistes de devenir s'affilier. C'est ça mon problème. Et mon droit de l'artiste comme ça. Et aussi, je demande aux tenanciers de bar, tels que dans un dépôt de Cameroun, qui sont 2 ans, 3 ans sans nous payer. Tu vois, je peux te dire que ces gens-là de Cameroun, les tenanciers,
Tous les jours, quand on trouvait l'ambiance, la musique, je n'ai pas payé la Sokoda. Mais cette année, moi, j'ai décidé de le faire devant la justice. Je vais le faire tous devant la justice. Pourquoi ils ne payent pas? Mais ils sont là-bas, selon vous. Non, selon, c'est une manonité intellectuelle. Peut-être ils ne savent pas quoi ils vont non, payer. Non, ils sont là-bas, ils connaissent mieux. Vous les avez sensibilisés? J'ai sensibilisé plusieurs fois. J'ai écrit plusieurs fois. Et je comprends qu'ils sont en train de résister. Et cette fois-ci, moi, j'ai décidé de déférer devant la justice. La justice vous accompagne? Effectivement. Et cette année, c'est autre chose. Ce n'est pas pour rien que nous avons orienté la perception cette année d'abord à Kamalondo. Quand la commune commence cette année avec la commune de Kamalondo. La commune où il y a beaucoup de bars. De bars, oui. Il y en a au moins 110 à Kamalondo là-bas. Seulement? Oui, il y a 110. C'est l'entrepôt que vous trouvez, il y a 110 bars. J'ai orienté. C'est-à-dire moi, vous avez même le nombre de tous les bars. Même le nom de tous les bars de Lubumbashi. C'est moi qui gère le bar. Je dois connaître tout le monde. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise. Je viens de vous signaler. C'est pourquoi vous êtes trop agressif dans les bars. J'ai dit d'abord, je commence par Kamalondo. C'est pourquoi vous êtes trop agressif dans les bars. Nous allons ravir des appareils là-bas. Est-ce que nous vous avez compris ma question, monsieur? Oui, je suis très content de votre question. Je vous écoute. Il paraît que vous êtes trop agressif dans les bars. Bon, parce que ici, vous me demandez de payer des artistes. Je vais sortir l'argent. Vous, personnellement, vous pouvez être en train. Ce sont les artistes qui disent aux tenanciers des bars que. Ce sont des artistes qui n'ont pas filié. Des gens qui ne connaissent absolument rien. Parce qu'un artiste est intelligent, il ne veut pas dire ça, il n'est rien relevable. Là, c'est moi. Tous ceux-là qui ne sont pas affiliés ne sont pas intelligents. Non, moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents. Parce qu'un artiste qui n'a pas compris les fondements de notre sens d'affiliation, il peut aller dire ça. Monsieur Pierre, on va vous poser une question. Je suis vraiment à vous. Répondez-nous en toute sincérité. Ouais. Est-ce que vraiment les redevables vont payer l'argent à la banque ou ça entre dans vos mallettes? Entrer dans notre mallette, c'est fort. Vous comprenez? Ça n'entre pas dans mon mallette. Si je devrais entrer dans les mallettes, je devrais être bien vêtu. Vous comprenez? Vous devrez voir maintenant le monsieur est très bien. Mais quand moi je demande aux gens de verser l'argent en banque, c'est-à-dire quoi? C'est pour demander que si ils arrivent par exemple à me donner cette autorisation, je dis que non, aujourd'hui c'est 4 ans là, occupez-vous des artistes. Moi je vais rester là-bas. Je commence à payer. Ça serait la fierté pour le Canada. Les gens disent que c'est papa là Sabi investe tous les jours. Alors l'argent qu'on lui donne, il va consommer ça. Ça ne va pas dans la caisse de l'État. Bon, ce sont les malades qui répondent comme ça. Moi je m'habille toujours très bien. Depuis toujours. C'est avec l'argent de la Sokoda que vous payez. J'ai plus de 24 ans de service à la Sokoda et son cas aujourd'hui. Je suis payé. Et moi, je m'hazarde pas à faire de n'importe quoi. Dès que j'ai mon argent, j'achète mon habillement, je m'habille. Et tu ne me verras jamais aller sauter comme les autres là-bas dans les boîtes. L'argent qu'on vous paye là? Non, bon, moi, je suis payé. L'argent qu'on vous paye dans les bars? Non, pas l'argent, mais j'ai un salaire. Vous savez que j'ai un salaire? J'ai un salaire, je ne veux pas prendre l'argent des bars pour aller acheter un habit. Et j'ai un seul endroit que je paye mes habits. Un seul endroit, je peux vous demander d'aller vérifier. Qu'est-ce qui vous énerve dans les conseils d'administration de la Sokoda? Bon, il n'y a pas quelque chose qui m'énerve. Hein? Comme je suis directeur dans les provinces de Katanga, je suis collaborateur du directeur général qui est aussi membre du conseil d'administration. Donc, je n'ai pas beaucoup de détails, beaucoup de choses. Je suis peut-être annexé, auxiliaire du conseil d'administration. Le travail est bien fait. Oui. Et vous allez voir. Ici en province, vous êtes bien. Bon, pas tellement bien parce que le pays vient un peu en difficulté. Si le pays évoluait comme c'était à l'époque de la Jekamine, SNC, des gens bien payés, il devrait être à merveille. Est-ce que la province ou le ministère de la Culture bénéficie aussi des redevances de la Sokoda? Bon, le ministère provincial est un accompagnateur. Il est le chef de la province. Nous sommes à ses services. C'est ça ma réponse. Est-ce qu'il bénéficie aussi des redevances? Non. Vous savez, il faut distinguer. Hein? Nous, la Sokoda, nous dépendons directement de Kinshasa. Alors, il est vrai que tout ce que moi j'ai, je rentre à Kinshasa. Vous savez que quand il y a des problèmes avec les artistes, la mort, les maladies, par moments, c'est le ministère de la Culture qui intervient. Oui. La Sokoda... Non, attention. Vous prenez seulement l'argent. Non, ça, il faut corriger ça. Hein, il faut corriger. Nous, on ne prend pas l'argent comme ça.
Le ministre ou le ministère de la Culture et des Arts a ses prérogatives à un niveau d'honneur. Nous ici, nous avons notre prérogative. Hein? Je ne veux pas faire du mélo-mélo ou parler de mon chef, ou parler de mon ministère, ou de critiquer. Là, c'est comme vous voulez dire que vous le mettez en difficulté avec le ministère. J'ai appris qu'on veut créer une histoire propre à la province pour aider les artistes à protéger leurs œuvres et à générer des recettes qui iront dans l'intérêt des artistes. Ça va vous déranger? Ça, d'abord, la loi de la République dit qu'il n'y a qu'une seule société pour la République démocratique du Congo. En dehors de cette société, on ne peut pas créer autre chose que la société de droit d'auteur. Là, c'est le gouvernement. Bon, s'ils peuvent créer une association, les investigations peuvent aller sur la population demander l'argent. Ils seront confondus. Mais c'est une erreur quelque part parce que ce sont des gens qui veulent créer des problèmes sans nous répondre à cela. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps que je vous ai dit ceci. Pour le projet des artistes, il faut transiter par le fonds de promotion culturelle. N'est-ce pas? C'est ça. Je vous ai dit ça. Mais pour la Sokola, nous demandons aux gens de venir s'affilier et nous travaillons, nous recevons l'argent hein, pour leur payer. Vous comprenez? Mais si ces gens, vous avez entendu ce bruit, les gens sont allés voir le ministre, non, nous voulons créer une société. Je ne sais pas si ces gens comprennent ou pas, ou bien sont en train de lire ou pas. On ne peut pas créer une association d'aller demander l'argent à la population. Il n'y a que l'État congolais qui a les pouvoirs d'aller demander l'argent à la population. Merci beaucoup à vous, monsieur Pierre Célestin Tchibouabois. Vous avez quelque chose à ajouter? Un mot? Bon, que vous un mot, ce que je demande. Ce n'est pas. Je demande à tous les redevables de la Sokoda pour la province de Katanga qui sont en règle, qui continuent à être en règle, celles qui n'ont pas encore trouvé une solution à payer la Sokoda, qui viennent, je suis là pour eux. Même les gens des Camerouns qui sont des menacés, pas menacés, c'est de les informer. Il doit changer la mentalité. Nous sommes, au moment où nous sommes priés de changer notre mentalité. S'il détient encore une mentalité, je n'ai pas ancienne, hein, vous créez quelque chose commercial, vous n'êtes pas payé. Là, c'est l'utopie. Est-ce qu'on peut fermer une maison parce qu'elle ne paye pas la Sokoda? Oui, nous avons la loi, notre loi nous autorise. Et vous allez voir que cette année, nous allons devoir commencer à saisir. Je vais tenir une réunion avec le président de Ténancière de Cameroun. Avec cette situation économique, vous voulez fermer des maisons de... Non, non, écoutez, la loi congolaise, c'est pire ça. Nous sommes priés de faire respecter la loi. Un peu de l'eau dans le vin. Effectivement, je suis la situation n'est pas bonne. Je vous ai bien dit que je suis là pour accueillir tout le monde. Mais les gens qui fonctionnent, qui sont en train de pénaliser la Sokoda, telle que la commune Cameroun, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il fait que mature les agents qui nous rapport. Je vais les mettre devant une situation. Vous avez aussi des surfacturations. Il n'y a pas de surfacturations. De 800 millions de francs qu'on... Non, non, les gens comprennent très mal. 1 milliard de francs. Non, je vais expliquer comment est-ce que nous faisons. Allez-y rapidement, okay. Parce que c'est déjà la fin. Ceci, oui. Nous, on demande pour les tenancières de base. Nous demandons 750 $ par an. En raison de, par mois, 62,5 $. Si quelqu'un est en mesure de venir payer chaque fin de mois 62,5 $, il n'y a pas un problème. Il verse à la banque. Il vient nous porter notre bouquet. Mais si on le paye, on facture comme ça, vous restez pendant 2 ans sans nous payer. Alors lorsque nous allons là-bas, nous vous demandons de nous payer la totalité. Parce que notre paiement, c'est un paiement annuel. Vous comprenez? On demande aux gens de venir bonnement. J'ai toujours demandé tout le monde de venir bonnement. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous dédions cette émission à notre confrère, journaliste et culturel, chroniqueur Albert Léou Sekel, qui nous a quittés depuis mardi à 5h du matin. C'est un confrère de Kasumbalesa, de la chaîne KRTV. Repose en paix, cher ami. On n'a rien à dire. Ça fait très mal que l'éternel Dieu t'accueille à côté de lui. Et merci pour tous les services rendus à cette population du Haut-Katanga et de Kasumbalesa en particulier. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Nous avons vu des gens, lorsque notre ami était malade, il ne répondait même pas au téléphone pour lui venir en aide. Mais lors de l'enterrement, on voit des gens, mais c'est pas tout le monde qui vient, même pour donner un sac de makala. Je me vois dans une émission, Hervé Aounitaya Kata mon émission. Hervé Mabanga Chipatak, Hervé. Mais Chigumina Gonjoa, Chigumina Koufwa, Yona Kuita au bébé téléphone. On va se rencontrer. Merci beaucoup à vous, cher directeur. Merci.
je suis très content. Soyez-en. On vous retrouve très prochainement pour d'autres échanges. Merci, je suis très content. Je vous invite un jour à mon bureau pour venir voir la réforme de la Sokoda au Katanga. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci au bureau de programme. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, bisous, bye.